Salam alaikum, Azoul, bonsoir. Rétro info de la semaine, comme d'habitude. Donc, on récapitule ensemble quelques événements qui se sont déroulés dans la semaine et dans le top 3, justement, à parler. Donc, et pour en parler aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir ici sur le plateau Elias Rahmani, président du Front des Forces Vives. Elias Rahmani, marhaba bik, bonjour. Bonjour, marhaba bik, marhaba moustamirin, bonjour à tout le monde, salam alaikum. Et je suis honoré de l'invitation. Merci. C'est toujours un plaisir de venir sur le plateau de Maghrebia. C'est un plaisir aussi pour nous, Yatek Saha. Il y aura avec nous aussi Arab Azzi, ex-député du FFS, par téléphone de PHG. Et depuis le Canada, on aura Ahsen Moussi, militant des droits de l'homme. Ahsen Moussi, bonsoir. Bonsoir Hussein, bonsoir à notre ami Elias Rahmani, Arab Azzi, puisqu'il est là avec nous, et à tous vos intervenants et à tous les Algériens aussi. Sahit, merci, bienvenue à tout le monde. On va regarder tous ensemble les titres et on commence, Inch'Allah. Algérie, monde info, présidentielle 2019, vers une réunion de l'ensemble des soutiens de Bouteflika en septembre, par Farid T. TSA. À quoi sert un prix Nobel quand Tahar Hadjar étale son ignorance par Hassan Sadou. Algérie Focus. Estevan tué par des parkingers à Béjaïa. La réponse peu convaincante du premier flic du pays par Massinissa Mansour. Voilà, c'était les sujets d'aujourd'hui. Donc, Bouteflika dans le cadre ou hors cadre. La déclaration du ministre de l'enseignement supérieur, Tahar Hadjar, un prix Nobel, pourquoi faire? À quoi bon? Et pour finir, la violence en Algérie dans la rue, les parkingers et l'absence de l'État de droit. Mais avant de commencer, avant de passer à tous ces sujets, j'ai l'honneur aussi d'accueillir le commandant Azdin qui aimerait répondre à Jamel Weld Abbas, qui a tenu justement cette semaine une conférence interne du parti du FLN, là où il a tenu des propos et s'est étalé un peu à la tribune sur son passé révolutionnaire, glorieux bien sûr, et l'a raconté avec détail une opération à laquelle il avait pris part. Regardons la vidéo. قنبلة تاع القنبرينيس تاع البار شينوا اللي عملناها اربع قنابل في نهار واحد بالحد لو تتذكر كنا دارسين كانوا القور كل حد عندهم لاماس الإجليس امام الولايه كانوا دائما يخرجوا على 11 الى 20 دقيقه يخرجوا بهم تحفين هذا يمشيو لاري دو فرانس لاري دو لاباس باش يعملوا البولفار ولابيريتيف وياك عسيناهم البلاد كانت ضربلي دو تو لي كوتي في دقيقة واحدة فجرنا ربع قنابل في وسط الجول تتذكر هذا ما نسيتهاش على كل حال كان كنا في السن تاعكم احنا شاركنا في المرحله انتم البلاد تحافظوا عليها كوماندو عز الدين الجزائر vous écoute je vous en prie oui je suis scandalisé à ça parce qu'on a pris les armes c'était pour libérer notre pays du colonialisme c'était pas une guerre religieuse Pour illustrer ce que je viens de dire, en 1955, nous avons attaqué la Périne. Aujourd'hui, elle s'appelle Jebahia, au nom du Shahid, notre chef de groupe, l'imam Adekunhar. Après notre repli, moi j'étais blessé au genou, sauf que nous barbares. J'ai rendu compte au colonel Ouamran, nous avons rendu compte au Ouamran. Et là, le genou continuait à enfler et ça n'allait pas
Bien du tout. Ouamran, dans deux jours, tu vas descendre à Alger. Et tu vas descendre tout de suite à tel village et de là-bas, en Jiouk, deux Français, un couple de Français et deux Kledzer. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et qu'est-ce qui est arrivé? C'est Cholet, le professeur Cholet et sa femme. À l'époque, il n'était pas encore professeur, bien sûr. Abtoni dans ça, dans leurs deux chevaux. C'était des chrétiens. C'était des étudiants à André Mondouze, un autre chrétien, un grand homme qui a aidé l'Algérie. Je suis descendu à traverser plusieurs villages, barrages. L'Agna. Zaire, j'ai été opéré à la clinique Verdun, par les sœurs, au-dessus de la Casbah. J'ai été opéré par qui? Par Stoffa, chirurgien Stoffa. L'Algérie. Et il y avait deux sœurs infirmières. Elles savaient qui j'étais. Cette révolution, elle a été faite par le peuple algérien et par tous les progressistes et par tous les Algériens de n'importe quelle souche. Les progressistes, les chrétiens, les juifs, David Sintema. Il faut aussi rappeler la position de Monseigneur Duval. L'OS, quelqu'un de Païflo, Mohamed Duval, il ne se sentait pas blessé. Au contraire, je suis honoré qu'il me donne le nom d'un très grand prophète. J'ai connu Serge Michel, qui a milité dès le déclenchement de la lutte armée. C'est un militant de l'UDMA, qui est devenu l'ambassadeur de l'Algérie en Afrique. C'est lui, cofondateur du Moudjahed à Alger. Comment doit-il dire? Il a travaillé pour le Moudjahed à Tunis. Que dire aussi des réseaux curiels, des réseaux Janssen, qui ont aidé la Fédération de France dans les transports de fonds, et etc. Que dire des artistes? Que dire des intellectuels, Jean-Paul Sartre, que dire de François Mauriac et Claude Bourdet, qu'ils ont fait des articles deux mois après le déclenchement de la lutte armée. La révolution algérienne, elle défendait des valeurs universelles. Matlanesh, le Jbeb, pour combattre le christianisme ou la lutte. Que dire du Hajj, Naïfrullah Hajj, Gennassia, il n'a rien à voir avec le chanteur. Gennassia, c'était un juif communiste. Il était responsable d'une infirmerie de l'ARN. Commandant Azdine, on n'aura pas vraiment beaucoup de temps pour parler vraiment de toute l'histoire, mais que diriez-vous justement aujourd'hui à Ould Abbas par rapport à cette histoire? Eh bien, je dis à Ould Abbas, fais attention, ne salis pas la révolution. C'est un scandale. Un scandale. Je ne peux pas te qualifier autrement. N'insultez pas cette révolution. Cette révolution était porteuse d'idéaux énormes, très beaux. C'est comme ça que nous avons eu la sympathie du monde entier. Je vais commenter des bêtises. Il n'en arrête pas de dire des bêtises. Tous les jours, il dit des bêtises. Jusqu'où? Ah non, non.
à Sahbé et la presse, l'humanité, le France Observateur, l'Express, témoignage chrétien. Et à Sahbé, à Domokon, ce bon. Pourtant, il a été guillotiné. Maurice Audin, le nom de gauche de Barntao. Henri Alec. Et beaucoup d'autres. Merci, commandant Azdine. Votre dernier mot? Mon dernier mot. Quand est-ce qu'ils vont s'arrêter de nous, de nous enfoncer davantage dans Amengoulesh, Rahimgoula Amengoulesh? Merci. Merci, commandant. Et à Tek Saha, une prochaine fois, Inch'Allah. C'est toujours un plaisir de parler avec vous. C'est toujours un plaisir pour nous aussi. Et je vous remercie infiniment de m'ouvrir vos colonnes. Merci et à Tek Saha. Merci, moi j'ai un rendez-vous là à côté. Merci, commandant Azdine et à Tek Saha. Monsieur Lias Rahmani, donc revenons à nos sujets. Nous aujourd'hui, c'est Bouteflika, justement, pour commencer le premier sujet, c'est Bouteflika dans le cadre ou hors le cadre aujourd'hui. Et on parlait justement, on a traité ce sujet parce que beaucoup de partis politiques en Algérie aujourd'hui qui parlent au nom du président, de Bouteflika, qui l'appelle à briguer un cinquième mandat, mais lui, Bouteflika, n'a pas soufflé mot. Ben écoutez, Bouteflika, c'est devenu un symbole. Bouteflika, c'est tout simplement le symbole de la corruption, le symbole de la déchéance d'Algérie, le symbole de la médiocrité, le symbole de la médiocratie, le symbole de toutes les dérives que peut connaître un pays dirigé par une mafia. Bouteflika physique n'existe plus. Bouteflika politiquement, il est mort. En tant que chef des armées, il est mort. En tant que décideur dans le pays, il est mort. C'est peut-être un être qui, cliniquement, peut-être on peut le déclarer vivant, mais surtout pas apte à diriger ni quoi que ce soit. Donc c'est juste un symbole d'une mafia qui gouverne actuellement le pays, qui a spolié le pays, qui a détourné le pouvoir, tout simplement. Mais justement, ces gens qui appellent aujourd'hui Bouteflika, on ne le voit pas, il n'est pas en bonne santé. Est-ce que eux, justement, ils sont en bonne santé? C'est bizarre, comme les Algériens, ils sont scandalisés. Déjà, vous dites que c'est des partis politiques. Ce n'est pas des partis politiques. Pas que. C'est des coquilles vides. Ainsi que tout l'ensemble de la petite société civile fomentée par ces mafias, donc toutes les associations, le patron des associations, soi-disant, qui se déclare des Zawiya et tout ça. Je ne sais pas si tous les Zawiya le suivent, ou c'est un monsieur qui s'est tout seul proclamé représentant et porte-parole des Zawiya nationales, etc., différentes organisations étudiantines. Mais tout ça, au fait, c'est de la manipulation globale et générale. Et surtout qui utilise tous les médias qui sont à la solde de ce pouvoir mafieux. Ce n'est même pas un pouvoir, c'est une oligarchie mafieuse qui dirige le pays, c'est tout. C'est pourquoi on a l'impression que ces gens-là sont nombreux. Et au fait, ils sont en train de créer un scénario pour l'international. C'est de dire qu'il y a des politiques, il y a de la société civile, etc., qui appellent à une certaine continuité, à ce que ce monsieur se représente pour la cinquième fois ou cinquième mandat. Cinquième mandat, oui. Voilà, tout simplement. On parle de continuité maintenant. Bien sûr, on parle continuité de continuité. Continuité de quoi? Au fait, la continuité, c'est très simple. Ce n'est pas la continuité de ce qu'ils ont fait avant. La continuité pour eux, c'est très simple, c'est de trouver une relève qui leur permette de partir dans l'impunité totale. C'est ça la continuité. C'est comment faire perdurer le système et que ces couches-là se succèdent tout en restant dans l'impunité totale, c'est-à-dire il y a un groupe qui a pris l'Algérie en otage, ensuite il part, un autre groupe qui le rassure, il le remplace. C'est ça la continuité en fait. Parce que Bouteflika, si vous voulez, vous prenez n'importe quel juge, n'importe où dans le monde, Bouteflika ne peut pas vendre un téléphone portable, il serait inapte. C'est quelqu'un qu'on doit mettre sous tutelle. Déjà, il est sous tutelle. Tout simplement, il ne faut pas parler de Bouteflika, il ne faut pas se tromper de combat, en fait. Le combat, réellement, il est politique. L'Algérie existe bel et bien, mais la République, c'est une chimère. Hassan Moussi, ces gens justement qui appellent Bouteflika à briguer un cinquième mandat, Bouteflika n'est toujours pas là, il ne parle pas, il ne sort pas, on ne le voit pas depuis la dernière fois quand elle a été inaugurée à la mosquée d'Alger, Kitchawa.
Et est-ce que c'est normal, justement, les Algériens se demandent aujourd'hui, se posent cette question, pourquoi on appelle justement à briguer un cinquième mandat, c'est quoi leur intérêt, justement, ces gens-là qui appellent Bouteflika? Moi, Hussein, d'abord, vous m'entendez bien, Hussein? Oui. OK. Par rapport à ce qu'a dit le commandant SDN, par rapport à ce qu'a dit notre ami Elias en ce moment, Rahmani, je crois que nous avons les cheveux qui nous montent sur la tête, là. Nous avons des frissons. Pourquoi? Parce que, effectivement, c'est ce sentiment-là que nous voulons tous développer, que nous voulons tous dire haut et fort. Pourquoi? Parce que moi, je reste dans le cadre du cadre lui-même, dans le cadre du cadre, hein, on risque de me répéter. Parce que transporter un cadre portant la photo du président nous ramène, à mon sens, loin dans l'histoire, Hussein. Je dirais même jusqu'au Xe siècle, avec le féodalisme. D'ailleurs, quand vous décortiquez le mot féodalisme, notre ami Elias peut l'expliquer aussi en profondeur, le mot féodalisme, vous verrez qu'il s'agit d'argent, qu'il s'agit de possession et qu'il s'agit de bétail. Notre régime n'est pas loin de cela. Il est construit pour que ceux qui sont au-dessus de celui-là, enfin ceux qui règnent et ceux qui gèrent avec ce régime-là, détiennent l'argent, possèdent tout et considèrent le peuple comme du bétail. Donc, transporter un poster du président, c'est idolâtrer un cadre. C'est une honte pour ceux qui le font. C'est un manque de respect et une insulte, je dirais moi, pour toute l'Algérie et pour ses 40 millions d'habitants. Maintenant, comme je vous disais, moi je suis persuadé que le peuple, bien qu'il est encore patient et calme, je dirais qu'il va à tout moment créer la surprise. C'est une évidence parce qu'il en a marre. Comme l'a dit le commandant Azdin, ça suffit, ils sont en train de nous prendre en bourrique. Nous ne sommes pas des bourriques. Si Ould Abbas considère que Bouteflika est au-dessus de tous, nous considérons seulement Dieu qui est au-dessus de tous. Nous respectons un président debout, un président qui est face, debout et en bonne santé, apte à gouverner un pays de 40 millions, debout face à son peuple, pour s'exprimer, pour dire quoi que ce soit, pour orienter son peuple. Moi, je pense que le message qui est transmis à nos enfants à travers cette publicité politique de cadre que l'on transporte dans une mosquée, dans des institutions publiques, je n'appelle pas publicité politique, je l'appelle, moi, rabicité politique. Je dis bien rabicité politique. Elle est totalement négative, cette publicité-là. Ceci dit, il ne faudrait pas fantasmer, Khoya Hussein. Il ne faudrait pas que l'on fantasme, ni qu'on rêve d'un petit mieux avec cette oligarchie qui est capable du pire. Moi, je dirais que... Il faut faire quoi, Hassan Moussi, il faut faire quoi aujourd'hui, justement? Oui, je vais vous le dire, selon ma façon de voir les choses. Aujourd'hui, je vous dis que seul le diable peut s'accommoder, peut s'accoutumer à cette oligarchie-là. Ni vous, ni moi, notre ami Elias, ni le commandant Azdin, ni notre peuple algérien ne peut supporter ce qui se passe. Les Ould Abbas, Ouihia, Saïd Bouteflika, Toufiq, Boudouar Dourhadaya, Indko, trouvent bien leur compte, je dirais moi, dans toute cette histoire cauchemardesque, ces histoires cauchemardesques pour le peuple algérien. C'est un système cancéreux. Et l'absence, encore une fois, je le redis, l'absence physique et mentale du président, le nombre impressionnant de chiétés aujourd'hui dans notre pays, etc., les arrange, ça va bien pour eux. Et ça ira aussi bien pour leur programme dans le cadre de ce cinquième mandat, cinquième piège qu'ils nous montent. Ce qu'il faut faire, il n'est pas trop tard. La démocratie, la lutte, ça se fait dans le temps, ça se fait avec le temps. Il ne faudrait pas désespérer. Bien qu'ils ont le dessus sur nous, bien qu'ils ont tous les moyens, ils ont l'armée, ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, ils ont acheté la paix sociale, ils ont acheté tout le monde, ils ont verrouillé la société, mais il y a toujours moyen, il y a toujours... Écoutez, la révolution, le 1er novembre 1954, il a été déclenché par 7-8 personnes d'à peine 20 à 20, 25 ans, 26 ans. Subitement, tout le monde dormait. Et subitement, voilà, il y a 7 grands monsieur, honorable monsieur Berhamoum, qui ont déclenché la révolution. Et voilà qu'en 1962, le colon est sorti. Bien que le colon physique qui est venu d'ailleurs est sorti, mais hélas, je crois qu'il y a un autre colon qui est là, qui nous regarde, qui nous surveille, qui ne veut pas que l'on soit des acteurs pour le développement économique du pays, qui ne veut pas qu'on s'implique. Hassan Moussi, restez avec nous, Elias Rahmani. Un autre colon aujourd'hui en Algérie? Non, en fait, ce n'est pas un autre colon. C'est le même colon. L'Algérie, maintenant, elle est colonisée par
une entité un petit peu obscure et abstraite, mais elle existe, elle est bien là, on voit ses effets. Parce qu'il faut se poser la question, comment se fait-il que le système résiste avec un président qui est pratiquement un mort-vivant depuis 6 ans? C'est que la décision ne lui a jamais réellement appartenu. C'était un pantin ou un écran. C'est comme un gérant écran d'une société. Il est pris en otage, vous dites? Même pas pris en otage. Je ne pense pas qu'il était complètement libre dans ses décisions. Puisque un pays qui, plus ou moins, reste plus ou moins stable, si vous voulez, sur le plan politique, en l'absence d'un président pendant 6 ans, il y a à se poser des questions. C'est qu'il y a un pouvoir occulte quelque part qui dirige les rênes de ce pays-là. Pas dans le bon sens, bien sûr. Justement, une question peut-être basique, justement. C'est qui le système aujourd'hui en Algérie? C'est tout le monde qui parle du système. C'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas... l'armée, Saïd Gaïd Salah, il dit que c'est pas moi, nous, on n'a rien à voir avec la politique. Bon, il ne parle pas, il ne fait rien. C'est qui décide aujourd'hui? C'est quoi, c'est qui? Écoutez, si vous voulez notre analyse propre, bon, qui est basée sur... Bien sûr. Bien sûr, sur des études et quelques informations, etc. Le problème de l'Algérie remonte en fait à la Révolution et à la guerre de libération nationale. Donc, si on veut réellement comprendre ce qui se passe maintenant en Algérie, il faut revenir complètement en arrière. Voir qu'est-ce qui s'est passé entre l'ALN et l'AMP. Voir qu'est-ce qui s'est passé entre, si vous voulez, le Mujahideen Dakhl ou Askar al-Kharj. Il y a différents paramètres. Il faut voir aussi les gens qui ont participé à la révolution, qu'est-ce qu'ils ont écrit, qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce qu'ils voulaient insinuer, qu'est-ce qui se passe exactement. Parce que notre malheur ne vient pas des 20 années de l'Ijafihum Bouteflika. Ce n'est pas vrai. C'est un système qui dure et qui perdure depuis, je crois, 1958. Et ça ne va pas s'arrêter, ça? Si. Comment? Ça peut s'arrêter. Eh bien, écoutez, c'est très simple. Moi, je suis d'accord avec M. Moissi. Sauf que, quand on dit qu'ils ont l'armée, moi, je dis non. L'armée, elle est nationale, populaire. L'armée, ce n'est pas des janissaires qu'on a importés d'un autre pays. Si tout Algérien a un mal-vivre quelque part, eh bien, le militaire, le petit officier, le petit sous-officier, le petit homme de troupe, il vit la même chose. Donc, réellement... Oui, vous le dites bien, le petit. Oui, bien sûr, le petit. Quand je dis petit, c'est à partir du grade de colonel et général technique jusqu'à en bas. Parce que si vous voulez, les gens qui ont la double casquette, qui ont de l'influence politique et militaire en même temps, ce n'est pas des centaines, hein, c'est quelques-uns. D'ailleurs, quand vous entendez la déclaration de Gaïd Salah qui proclame son allégeance au président de la République, son allégeance, elle est anticonstitutionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si demain, on a un président de la République qui commet une traîtrise, demain l'allégeance de l'armée, elle est acquise à 100% pour un traître. Ce n'est pas normal. Ce qu'il a déclaré, ce n'est pas normal, ce n'est pas constitutionnel. L'armée, elle obéit à la Constitution. Et même le président de la République, même si on est dans un système paraprésidentiel et non présidentiel, le président de la République n'a pas tous les pouvoirs et tous les droits. Sinon, on n'est plus dans une... D'ailleurs, on n'est pas dans une république, mais on n'est plus dans un système qu'on peut qualifier de quoi que ce soit. Ce n'est même pas une monarchie. Tout simplement, c'est... Justement, beaucoup disent aujourd'hui que pourquoi appeler un mandat, un cinquième ou un quatrième, puisque justement l'Algérie est gérée depuis 62 jusqu'à aujourd'hui sous un seul mandat. C'est toujours les mêmes en tout cas. C'est toujours le même mandat, c'est toujours le système. C'est comme si on avait affaire à une secte ou comme si on avait affaire à un groupe qui, à un moment donné, ont commis un gros crime et qui se protègent les uns après les autres. Enfin, on a cette impression-là. Quand on voit de près ou de loin même. Maintenant, le système, pour abattre ce système-là, c'est très simple. Comment voulez-vous abattre un système dont les acteurs, quoi qu'ils ne pèsent pas sur la société, mais sont unis, alors que nous, les soi-disant opposants, à commencer par moi-même, on n'arrive pas à se réunir, on n'arrive pas à créer une plateforme commune qui montre au peuple qu'il y a un autre pôle politique. Et pas qu'au peuple algérien, même à l'international. Il y a d'autres politiques, il y a un autre pôle politique qui fait opposition à ces gens-là. Parce que quand vous prenez, bon, Wild Abbas, le RND, tout ça, tous ces gens-là, c'est des appareils du système. Les autres partis, ils représentent quoi? Moi, je mets au défi, prenez n'importe quel citoyen, dites-lui, nommez-moi 3-4 partis, et qu'est-ce qu'il va vous dire? Il va vous dire la Ligue FLN, RND, peut-être il va citer le fils, et le reste... Justement, où est l'opposition aujourd'hui? Il n'y a pas d'opposition. Ah bon? Et vous voulez savoir pourquoi il n'y a pas d'opposition réelle? Parce que c'est simple. Quand il y a eu l'ouverture politique,
C'est quoi un parti politique? Un parti politique, c'est d'abord une vision, un programme, des adhérents qui travaillent pour leur programme, pour leur vision, au sein de la société civile. C'est ça un parti politique. Nous, ça a été le contraire. Donc ces partis, on ne les voit pas en tout cas aujourd'hui? On ne peut pas les voir, parce que comment les partis ont été créés? Le parti vient comme une opportunité. Ah tiens, on va demander l'agrément d'un parti à des subventions, on peut on rassemble 15-20 personnes juste pour compléter le fameux dossier à déposer à l'intérieur. Parfois on tire des ficelles, parfois on nous a instruits par rapport à ça pour remplir le cadre politique et l'image politique, et c'est tout. C'est pourquoi les partis n'arrivent pas à fédérer les gens. Parce qu'en fait, ils sont nés suite à l'octroi d'agrément. Ni programme, ni vision, ni action politique sur le terrain. Il y a Mouattana, justement, qu'ils ont publié un communiqué aujourd'hui et ils ont dénoncé un coup d'État rompant, justement. Ils disent que les appels incessants au chef de l'État pour prêter un cinquième mandat est une violation flagrante des lois de la République et de la morale tout court. J'ai lu la déclaration de Mme Assoul, la porte-parole de Mouattana sur TSA ce matin, justement. Et je salue, un, son courage. Deux, ce qu'elle a dit, pour moi, c'est complètement vrai. Bon, le terme coup d'État, disons que ce n'est pas un coup d'État. C'est même pas un coup d'État, en fait, c'est... Un renversement. Le système se perpétue, tout simplement. On change les acteurs. Pourquoi eux, ils l'ont appelé continuité, donc c'est clair. Voilà, on change. Peut-être on va changer les acteurs, mais on est toujours dans le même système crapule qui va diriger encore le pays sous forme d'une ferme. Donc, c'est des gens qui se prennent pour des... bon, plus ou moins... M. Moissy a parlé de féodalisme, moi je vais vous le dire. Donc il y a une opposition, ces gens-là, justement, le Mouattana, c'est des partis, c'est des chefs de partis. Le Mouattana, c'est une excellente initiative, mais elle ne peut pas fédérer. Elle ne peut pas fédérer le Mouattana. Parce qu'elle n'a pas de base au niveau de la société. Pourquoi? Parce que les acteurs de Mouattana n'ont pas les moyens du FLN, n'ont pas les moyens du RND. Ils ont du mal à faire passer leur communiqué. On les invite et pas sur les plateaux. Comment expliquez-vous, justement, parlons des moyens, comment expliquez-vous, justement, l'utilisation de la chefferie du gouvernement? Ils sont réunis là-bas, et ils utilisent les universités, ils utilisent les écoles, ils utilisent les moyens humains, justement, et tout aujourd'hui, la coalition. Écoutez, c'est très simple, parce que cette coalition-là, elle est orchestrée par ce système-là. Parce que, en fait, le scénario, c'est simple. C'est anticonstitutionnel, c'est anti-républicain. Oui, mais la Constitution, ils n'y croient même pas, ces gens-là. Ils la changent quand ils veulent, ils font ce qu'ils veulent de la Constitution. De quelle Constitution on parle? L'Algérie n'a pas été construite autour d'une Constitution. L'Algérie a été construite autour d'un consensus plus ou moins mafieux et qui a géré le pays. Il n'y a pas de constitution. La constitution, demain, ils vont décider de, je ne sais pas, d'enlever tel article, etc. Il n'y a personne qui va dire non. Et ils vont vous rassembler un ensemble de personnalités qui vont déclarer ces personnalités politiques. Mm. On va voir ce monsieur-là, Ouihia, l'homme des sales missions, passer à la télé avec des hommes. En fait, le pays est d'accord pour changer ça. Mais ce n'est pas vrai. Le peuple est complètement déconnecté de la politique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'acteurs politiques qui sont proches du peuple. Parce que pour qu'un parti, le parti... Je reviens vers vous. Hassan Moussi, justement, on parle de l'opposition aujourd'hui en Algérie. L'opposition n'aime pas, justement, quand on dit qu'il n'y a pas de parti d'opposition en Algérie. Mais il y a des vérités, il y a des réalités, comme disait justement Lias Rahmani. Où sont passés aujourd'hui les partis d'opposition? Il a dit juste, notre ami Rahmani, quand il vous disait que l'opposition a été créée sur la base des agréments. C'est comme des registres de commerce. Vous dites que je veux faire une épicerie ou une fabrique de parpaings, vous avez un petit peu d'argent, là on vous donne un agrément, une autorisation de le faire. On a mis la charrue avant les bœufs. Il fallait venir avec des programmes. Il fallait venir avec des programmes, avec des hommes honnêtes. Il fallait vérifier le côté propriété de la personne, son programme, s'il est compatible avec le pays. Nous, Chedli, à son époque, Rabbi Rahmo Alek Oulihal, bien qu'il soit victime lui aussi d'un sacré coup, Chedli a distribué des agréments à qui il veut venir, à un parti extrêmement musulman, un parti extrêmement laïque, un parti extrêmement... Alors que nous sommes tous des musulmans, nous vivons dans une république, il y a le congrès de la Soumam qui a tracé les grandes lignes, on aurait pu les appliquer. Maintenant, l'opposition, elle est où, l'opposition? Elle n'existe pas, elle n'existe pas. Ils sont partis à 60 partis politiques, à Mazafran ou je ne sais pas où, pour décider de comment trouver une alternative. On ne peut pas trouver une alternative quand on vient à 60 couleurs différentes, le rouge, le vert, le bleu, le noir, le ceci, le cela. On aurait dû partir avec, dans un cadre de trois groupes, les centristes, les gauchistes, les droites, etc. Hassan Moussi, justement, est-ce que le régime
à donner la parole ou à laisser place justement à la confrontation politique aujourd'hui en Algérie. Cette opposition n'a pas le droit d'aller parler sur les plateaux de télévision, n'a pas le droit de se réunir dans des salles publiques, ils n'ont pas le droit de descendre dans la rue, surtout pas à Alger. Totalement d'accord avec vous, Hussein. Le régime n'a pas donné la parole. Il muselle l'opposition. Il la verrouille. Il fait semblant de donner la parole, comme il fait semblant de présenter une démocratie en Algérie au vu du local et de l'international. Mais dans la vérité, c'est faux. Mais ce que je dis encore une fois, je l'ai dit, je le redis, comme le cas de Macri qui a appelé l'institution militaire à s'interférer ou à veiller à une transition, ils sont dans l'erreur, ces partis politiques. Ils ont l'agrément. Ils ont le peuple, ils ont la constitution, ils tiennent compte de tout cela et ils foncent, ils brûlent l'essence interdite du pouvoir. La logique du régime, il faut qu'il la grille, il faut qu'il prenne l'essence interdite de ce que prévoit le programme politique, le programme du pouvoir, le système, le régime algérien. Il faut donc, aller avec Hassan, si tu n'arrives pas, pardon Hussein, si tu n'arrives pas à convaincre le peuple à sortir pour mesurer ta force sur l'échiquier national, tu as peur, tu es fragile, tu fais appel à l'armée, tu fais appel à Kaddour, à la France. Non, tu es un parti politique, tu as un agrément, il faut lutter. Et ta façon et ta manière d'expliciter au peuple, de montrer au pouvoir que tu es solide, c'est les 600 000, les 700 000, les 1 million, 1 500 000 Algériens qui sortent dans la rue des 48 oulayas. Il faut pouvoir le faire. Et bon, que cette, comment elle s'appelle, le dernier parti qu'on venait de créer, non l'opposition, rappelle-moi le Hussein. Le Mouattana, c'est un mouvement. Vraiment, que le monde adhère, que le monde vienne la voir, que tout le monde s'y mette autour, qu'elle fasse appel au peuple, qu'elle lui dise, écoutez, envahissez les rues, soyez pacifiques, criez non au cinquième mandat, nous sommes pour l'opposition, nous sommes pour cette Mouattana. Ahsen Moussi, mais l'opposition classique, le FFS, le RCD, le MSP, le PT, juste ces partis-là, on ne les entend pas. On ne les entend pas, malheureusement, comme l'a si bien dit notre ami Rahmani, encore une fois. Je crois qu'au sein de chaque parti politique aujourd'hui, il y a les quelques leaders au-dessus, il y a 3-4 haut responsable du parti politique, et il y a la base, tout à fait en bas, ceux qui étaient destinés juste à faire des affiches et de temps en temps à dire que voilà, nous bougeons, nous faisons ceci, nous faisons cela. La classe intermédiaire, les intellectuels, les penseurs, les conseillers, les ceci, les cela, ça n'existe pas. Ils font de leur agrément un registre de commerce. Ils sont en train de faire de l'argent, ils attendent les subventions de l'État, ils attendent que Bouteflika leur distribue des sièges au sein de l'APN, de la wilaya, de la commune, et peut-être demain, comme ministre X et Y, et ils attendent cela, ils font avec ça. C'est pas ça l'opposition. L'opposition se devait de se lever, et de trouver celle qui ressemble à elle, de s'associer avec elle, de faire des coalitions entre eux et d'arriver à se regrouper derrière 3-4 tendances, pas 60 tendances, mon Dieu. Réellement, on a 60 programmes politiques en Algérie, on a 60 visions politiques en Algérie, ça n'existe pas. Louis Zahnoun Menna, c'est l'accord du RCT Menna, le FFS Menna, le PT Menna, le Wakri Menna, l'Okhr Menna. Regardez eux, regardez, il y a le FLN, il y a le RND, il y a le Mujd, il y a prochainement, qui est toujours Amar Abn Younes, son parti. Ils sont arrivés à se réunir pour nous mener vers le mieux, pour nous construire l'échec. Mais ils se sont réunis, ils ont réussi à se regrouper à 4 et à mettre comme président quelqu'un qui est mort, qui n'est pas vivant aujourd'hui, qui est mort physiquement, qui est mort moralement. Ahsen Moussi, restez avec nous, Ahsen Moussi. Ilyas Rahmani, vous voulez rajouter quelque chose sur ce point? Je suis tout à fait d'accord avec M. Ahsen Moussi. Si vous voulez réellement que l'Algérie s'en sorte, il faut créer d'abord un pôle politique réel d'opposition, formés d'intellectuels, d'anciens fonctionnaires, d'anciens cadres. Il faut braver les interdictions. Avant, il faut d'abord créer un pôle politique autour duquel on peut fédérer le peuple et faire appel à la rue. Parce que le pouvoir, c'est le peuple. Il faut que le pouvoir revienne au peuple. Mais avec une direction politique collégiale, quelles que soient les tendances, c'est déjà de se réunir toutes les bonnes volontés nationalistes qui veulent que l'Algérie s'en sorte, qui veulent abattre ce système colonial, doivent se réunir et montrer en Algérie et à l'international qu'on est là. Il y a un autre pôle, il y a une direction, tout simplement. On passe au deuxième sujet, justement, c'est les déclarations de Hadjar, Tahar Hadjar. On va l'écouter ensemble. Les jamiats les kubra y'atamdou les prix Nobel, les marakiz al-bahth, les jawaiz. Qu'est-ce qui m'aide? Je vais vous dire que j'ai في جامعة الجزائر واحد دا جائزة نوبل
ما هو انعكاسه على التعليم؟ حتى يكون عندي 10 وبناتنا بالمناسبة جامعة الجزائر لو كان حبينا تولي في المئة الأولى تكون في المئة، لأنه عندها 3 جائزة نوبل منذ القديم، وجائزة نوبل حتى وتجيبها في 1910 يحسبوها لك. احنا ما حبيش نحسبوها، مش تاعنا، كانت في عهد الاحتلال. ياسر حماني، الجزائر n'a pas besoin de prix Nobel. C'est devenu la risée. Désolé, mais bon, sur les réseaux sociaux, les Algériens se sont vraiment amusés. Écoutez, peut-être je peux commenter une dérive politique, je peux commenter, mais l'ignorance, ça ne se commente pas. Un ignorant reste un ignorant. Maintenant, moi, si je veux rajouter, je ne commente pas ce monsieur-là. Donc, c'est même pas la peine. J'aurais pas assez de mots assez forts pour le qualifier. Ça continue justement dans le système. Comment on ramène des gens comme ça? Ben, écoutez, c'est la sélection par le négatif. C'est simple. L'Algérie de tout temps, c'est la sélection par le négatif. Le plus pourri, on le fait monter dans les postes pour qu'on puisse le manipuler, bien sûr. On ne prend pas quelqu'un d'honnête et on le met à un poste. Il ne va pas obéir. À un moment donné, il va dire non. Maintenant, ça, c'est le résultat de la sélection par le négatif. On ramène des pantins, c'est tout. Maintenant, moi, ce qui m'étonne, ce n'est pas ce qu'a déclaré cet ignorant. Je le dis, cet ignorant. Ce qui m'étonne, c'est les gens qui sont sous ses ordres. C'est des universitaires, des enseignants d'université, des recteurs, des vice-recteurs, des responsables laboratoires, des thésards, des étudiants post-doctorants. Mais tout ce beau monde-là n'arrive pas à dire « dégage » à quelqu'un comme ça. Ne serait-ce que symboliquement, c'est grave. Ce n'est pas sa déclaration qui est grave. C'est la non-réaction des gens qui sont sous sa tutelle qui est grave. Ces gens sont inertes, sont léthargiques. Ce n'est pas possible. Parce que dans toutes les institutions, moi déjà, nous, dans l'idée, c'est qu'il faut que les fonctionnaires refusent dorénavant d'être dirigés par des ignorants et des incompétents. Et déjà, on commencera à évoluer. Mais il faut refuser l'autorité des ignorants. Parce que même si quelqu'un il est corrompu, il est voleur, s'il est compétent, déjà c'est demi-mal. Mais alors corrompu, voleur, incompétent, ignorant, ça c'est le top. C'est la totale. C'est la totale. Contre ça, ben écoutez, c'est l'ablation. Il n'y a pas de remède. C'est ce que je veux dire. Ahsen Moussi, oui. L'Algérie n'a pas besoin de prix Nobel. Les génies, on peut s'en passer. C'est dommage, vraiment, c'est dommage que d'entendre ce type de déclaration. Moi, à travers, qu'est-ce qu'il veut, Monsieur Hadjar? Alors, il veut des prix de gangstérisme et de gangstérisme et de banditisme en Algérie, Hussein. Moi, à mon sens, sa déclaration appelle à son licenciement. Je dirais à son congédiement dans les 36 heures qui suivent, si c'était dans un pays respectable. Personnellement, Hussein, je suis surpris d'entendre une telle déclaration. Venant de quelqu'un qui a un doctorat d'État en sciences de l'université Paris-Sorbonne. Oui, de Paris. Il a eu un doctorat à Paris-Sorbonne, oui. Ce monsieur-là. À travers son discours, M. Hadjar ne fait que confirmer, je dirais, il ne fait que confirmer l'incompétence des dirigeants algériens et leur absence de réalité internationale. Sur le plan technologique et tout. Ces gens-là ne savent pas que j'ai quelque chose ici à Hussein. Ils ne savent pas que les USA, rien qu'en 2017, ils ont récolté 8 prix Nobel. Ils ne savent pas qu'avec. Ils sont à 371 lauréats, dont Obama avec le prix de la paix, Martin Luther King, prix de la paix, Bob Dylan, prix de littérature. Le deuxième qui vient, nous avons le Royaume-Uni avec 128 lauréats. Churchill lui-même a eu un prix de littérature. La troisième position, c'est l'Allemagne avec 107 prix. Vous me permettez, en demi-jeté, Nina Hussein, 107 prix dans le domaine scientifique, notamment. Vient ensuite la France, je cite que cela, la France avec 68 lauréats. Vous avez quelqu'un que nous connaissons tous, Albert Camus en littérature, et nous avons Pierre et Marie Curie en physique, etc. Moi, à mon avis, n'est-ce pas là, je dirais, c'est une insulte
de la part de Hadjar en direction de tous ces prix Nobel internationaux. C'est une insulte donc à l'université algérienne. C'est un mépris pour la chimie, la physique, la science et la technologie. La Sorbonne se devrait à mon sens, de rendre caduc le doctorat de M. Hadjar par rapport à sa déclaration. Ce sont à Hussein des responsables comme Hadjar qui ont fait de nos, je dirais, il y a une centaine, 92-95 universités, ils ont fait de nos universités de simples cités dortoirs et qui démotivent l'excellence à Hussein. Près de 2 millions d'étudiants sortaient à diplômer chaque année en Algérie. Hadjar les invite, ces gens-là, donc, à quitter le pays s'ils veulent l'excellence. Oui, moi je dirais que nos jeunes veulent l'excellence. Ils rêvent des prix Nobel. Et les vrais patriotes algériens veulent que ce soit l'excellence dans nos écoles, nos lycées, nos universités. Notre université pâtit de sa mauvaise image. Vous savez où est-ce qu'elle est classée, l'université algérienne, par rapport à des gens comme Hadjar Hussein. Nous l'avions cherché, l'université algérienne, parmi les 500 premiers dans le monde. Nous avions retrouvé tout simplement à la 404e position le Caire et à la 488e l'université de Téhéran. L'Algérie ne figure pas parmi les 515 Absolument. Premières universités du monde. C'est malheureux, M. Hadjar. Restez avec nous, Ahsen Moussé. Il y a ça, Rahmani, question de budget en Algérie, la répartition des budgets de chaque année. Donc, cette année 2018, le ministère de l'enseignement supérieur a classé 18 sur 31. C'est normal ? Même ils peuvent lui donner le budget de la défense nationale. Ça ne change rien. Quand on a des ignorants, des incompétents à la tête d'un ministère, ça ne fonctionnera pas. Ce n'est pas une question de budget. Parce qu'en économie, M. Moussi est peut-être plus compétent que moi, on connaît la loi des mini-maxi. C'est le maximum de besoins avec le minimum de moyens. Avec une bonne gestion, une organisation réelle, quand les compétences et les élites sont en poste, on peut faire avec un petit budget, on peut faire des miracles. Mais quand on a des ignorants, vous pouvez avoir le budget de l'université américaine de Harvard, vous n'aurez rien du tout avec quelqu'un comme Hadjar. Ce n'est pas une question de budget. Alors là, pas du tout. D'abord, il faut mettre les élites en place. D'abord, il faut faire un audit de la structure elle-même. Et après, on parlera de budget nécessaire à affecter. Tout simplement. On passe au dernier sujet, donc c'est les parkings en Algérie. Notre émission, on l'avait titré Algérie, état de droit ou état parking. C'est que, justement, au lendemain de l'agression de Zubir Issa, ce ressortissant justement qui venait de village, je cherche ici, Al-Mrir, de la commune Al-Mrir, la wilaya de l'Oued, justement, il a été agressé à Béjaïa, Mat Allah Yarhamo. Justement, on renouvelle nos condoléances à toute la famille. Mais justement, aujourd'hui, si on parle de la violence en Algérie, il n'est pas qu'à Bouji, il n'est pas qu'à Alger, il n'est pas qu'à l'Oued, il est partout dans le pays. Il y a une absence d'État aujourd'hui. Oui, la violence, c'est une conséquence, ce n'est pas une cause. Si on veut traiter la violence, il faut traiter ses causes. Et la cause la plus importante pour la violence, c'est l'absence de politique nationale à tous les niveaux économiques, sociaux, éducatifs, à tous les niveaux, complètement à tous les niveaux. Là, ils viennent de faire une opération, soi-disant, ils arrêtent les gens, les parkingers, etc. La question qui se pose, vous étiez où depuis 20 ans que ce système s'est mis en place? Pourquoi l'État a fermé l'œil sur tout ça? Est-ce que c'était une forme pour lui d'acheter la paix civile? Est-ce que c'était de l'embauche indirectement de gens qui sont au chômage? Pourquoi il a laissé proliférer ces trucs qui n'ont aucune... C'est qui ces jeunes, justement, qui gardent les parkings? Comment on leur attribue ces marchés? Est-ce que c'est des marchés, déjà? Ouais, bah, pour eux, c'est un marché, apparemment. Il y a de l'argent derrière. Bien sûr, il y a de l'argent. Mais au fait, c'est un système scélérat. On est à, je sais pas, à 2000 ans en arrière, peut-être. Le gars, il vient avec une matraque, il prend un trottoir, il est puissant, il dit, c'est le trottoir m'appartient. Tous les véhicules qui se gardent là, moi, c'est moi qui collecte l'argent. C'est une forme de... Écoutez, c'est très difficile à qualifier. C'est l'anarchie. C'est l'anarchie totale. Après, il y a une question aussi un peu générale, c'est que est-ce que l'Algérie aujourd'hui est gérée justement comme tout comme on gère ses parkings? Oui, effectivement, on peut faire le parallèle. On peut faire le parallèle. Oui, c'est géré comme on gère les parkings. C'est à la même manière, c'est géré le jour, ils réagissent par rapport aux situations, ils interviennent quand la situation est vraiment
explosif, soi-disant, suite à un incident, quelqu'un qui est mort, maintenant s'attaque au parking girl. Il fallait s'y attaquer déjà bien avant. Absolument. Et ça, c'est la preuve de l'absence de tout genre de politique aucune en Algérie. Stratégie. Aucune. L'Algérie est gérée comme... C'est même pas comme un zoo. Un zoo est mieux géré. Une réserve animalière est mieux gérée que ça. Ces gens-là ne gèrent pas. Ces gens-là sont en train de spolier l'Algérie. Il faut voir les choses en face. Quand vous avez des pays qui refusent les produits agricoles algériens parce que le taux de pesticides est élevé ou les agriculteurs ont mal utilisé les pesticides, et nos concitoyens mangent ça, est-ce qu'on a évalué les conséquences par rapport à ça? Moi, je dis que ça, c'est un génocide. Le peuple algérien est en train de subir un génocide. C'est pourquoi il faut que les gens se réveillent, il faut que les intellectuels, les ingénieurs agronomes, tous ces gens-là, il faut qu'ils fassent de leur mieux pour éviter que ces situations-là se répètent. Il faut que la société civile s'organise, tout simplement. Hassan Moussi, est-ce qu'il reste aujourd'hui en Algérie une place, un endroit sûr pour les Algériens, justement? Je vais juste, j'ai rigolé en entendant un peu notre ami Rahmani qui parlait de zoo. Non, c'est pas loin. Ould Abbas a dit que nous sommes... Vous m'entendez, Hussein, hein? Oui. Ould Abbas a bien dit que nous avons à la tête de ce pays un seba. Un seba, c'est quoi un seba? C'est un lion, c'est un animal. Nous, on ne veut pas d'un seba, on veut un président, un intellectuel, un bonhomme normal. Un lion de la savane, oui. Ah oui, c'est quoi un lion? Houma, il chauffe comme un seba. Parce que Houma, c'est normal, seba, c'est le roi des animaux. Mais le peuple, non, Haja, le peuple, c'est un peuple civilisé, c'est un peuple qui a une histoire, c'est un grand pays quand même, l'Algérie. Moi, pour répondre à votre question, Hussein, je vais. Parce que là, on fait allusion tout simplement aux parkingers. Mais n'oubliez pas les trottoirs aussi. Les trottoirs. En Algérie, il faut le dire, il y a deux Algéries en une. Il y a l'Algérie de Zeralda, Tipaza, Club des Pins et Hydra, et il y a le reste de l'Algérie, les 97, 98, 99% de la population, dont vous faites vous deux partie, moi, et ceux qui sont en Algérie et ailleurs dans le monde, et qui sont des Algériens aussi. Il y a donc deux Algéries. Ce qui nous sépare entre ceux-là qui nous gouvernent, Asba, Hadouma ou Hnaya, c'est un grand espace... social, les gens, ils sont très riches, ils ont tout ce qu'il faut. Et il y a un mur bien attrayant. On a complètement. C'est ce qui a fait que nous vivons dans le tag à la montag. Nous n'avons absolument rien. Le programme politique aujourd'hui auquel faisait allusion Yahya ou l'Abbas, à chaque fois on vous dit le programme de Sifa Hamatou, c'est un programme du tag à la mantag. Nous avons une constitution qui n'est pas appliquée, juste pour la forme, des chartes pour la forme, des ceci pour la forme, un wali qui est à l'écoute de l'Fouk, un ministre qui est à l'écoute de l'Fouk, un sénateur, un député aussi. On n'a pas de responsable. Hadjar, bien qu'il sorte de la Sorbonne, mais il ne dit que la parole de son maître et ça continue. Ce que je voulais dire, je vais vous donner un petit exemple. Vous savez, en Algérie, nous avons quelque chose comme 1500 communes, hein, en Algérie. Moi, j'ai fait un petit calcul, Wahdi tout à l'heure, j'ai dit qu'on va sûrement me demander les parkingers, les trottoirs, parce que nous avons 1600, à peu près 1600 petites et grandes et moyennes villes en Algérie. Les 1600 Hadouma, villes, nous avons à peu près 6 à 7 kilomètres de trottoir qui échappent au contrôle de l'APC ou de la Wilaya ou de la Constitution ou de la Charte et qui est envahi par des citoyens comme ça, sauvagement, sans agrément, sans autorisation. Et donc cela, quand vous prenez 6 à 7 kilomètres par 1600 petits villages, vous vous retrouvez avec 11 000 kilomètres de trottoirs délaissés en Algérie. 11 000 kilomètres, si vous mettez 2 jeunes par kilomètre et par trottoir, ça vous fait 22 000 postes. J'arrive à quelque chose de très important. Ça vous fait 22 000 postes à Hussein. Ajoutez 600 parkings à peu près au niveau national, nous arrivons à raison de 5 postes de travail par parking, nous arrivons à 25 000 jeunes. Le gouvernement Yahya, le président Bouteflika et compagnie, et ces fantômes-là qui sont quelque part au sommet, trouvent leur compte à offrir 25 000, 26 000 postes de travail comme ça, informels, à des jeunes sans les contrôler. Quand il attend la paix, il achète la paix pour eux, le pouvoir Hadda, il chérit la paix pour lui, en laissant ces jeunes faire la merde. Hachek, c'était le mot que n'a pas voulu dire tout à l'heure notre ami
le commandant Azdine en disant Braoudouna vert, il s'est tué, il a dit je ne voulais pas prononcer le mot. Moi je le prononce ce mot-là. Braoudouna la merde, Hachakoum. On était au moins deux bouins qui peuvent la piscine, Hachakoum, Brachra. Donc, Kalouna, on va vous mettre à genoux, parce qu'elle va dépasser nos têtes, la piscine de merde. Merci, Hassan Moussi, Atik Saha. Hassan Moussi. Je termine, Houssi. Oui. Oui. Oui, Hussein. Oui, allez-y. Je voulais juste terminer pour vous dire que ça fait leur compte. Mais quand vous faites un calcul des montants qui rentrent et qui sortent de tous ces automobilistes qui payaient 200 dinars, 300 dinars, 400 dinars, sans compter les véhicules qui ont volé, etc., etc., vous aboutirez à un chiffre à peu près de 1,5 milliard de dinars par mois qui échappent au fisc, qui échappent au contrôle de l'État, etc., etc. Voilà comment notre système, comment notre économie, comment on vit en Algérie, dans l'informel, dans l'obscurité totale, et ça fait le compte de ces Ouihia et consorts, Ould Abbas et compagnie. Merci, Hassan Moussi Elias Rahmani. Jamel Zenati a été interviewé aujourd'hui par le Watan. Il a déclaré ceci, le pouvoir autoritaire est dans son rôle, c'est aux esprits libres de retrouver le leur. Bien sûr, c'est vrai ce qu'il a dit, c'est les esprits libres, et les esprits militants. Il ne s'agit pas d'avoir un esprit libre, c'est de militer, c'est de se fédérer, c'est d'avoir un axe, c'est de se regrouper, parce que chacun de son côté, on est très faible. Ouais. Si eux, les vendus, ils se réunissent, ils sont plus forts que nous, même si notre parole et notre idéologie, elle est beaucoup plus puissante. Mais nous, on est disparates, eux, ils sont réunis. Mais ce qu'il a dit, moi... Merci Elias Rahmani. Merci Hassan Moussi. Merci au commandant Azdine. Merci à vous toutes et à tous. Cette émission arrive à sa fin. Je vous donne rendez-vous mardi, Inch'Allah. Salam alaikum.